Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, cette année encore, la pandémie du coronavirus aura été partout dans le monde l'un des principaux sujets de préoccupation. Les efforts considérables qui ont été jusqu'à présent accomplis par la communauté scientifique et les États n'ont pas encore permis d'enrayer cette maladie. Au fil du temps, l'on observe que ce virus a tendance à s'adapter à notre environnement. L'apparition de nouveaux variants en est la preuve, ce qui rend la maîtrise de cette pandémie particulièrement difficile. Elle continue malheureusement d'endeuiller des familles, de déréguler la vie sociale et de créer des distorsions économiques. Devons-nous pour autant perdre espoir et nous résigner au pessimisme? À l'évidence, non. L'histoire nous apprend que cette épidémie n'est pas la première. Elle est sans doute loin d'être la dernière à laquelle l'humanité sera confrontée. Je suis du reste persuadé que nous arriverons à bout du coronavirus de la même manière que les épidémies qui l'ont précédé ont été jugulées. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour que ce qui doit être fait pour freiner sa propagation dans notre pays le soit effectivement. La stratégie de riposte que le gouvernement met en œuvre produit des résultats fort appréciables. Depuis 2 ans, elle a permis de sauver des vies et de limiter l'expansion du COVID-19 dans notre pays. Elle doit donc se poursuivre et au besoin s'améliorer afin de mieux s'adapter aux mutations de ces virus pernicieux. Il est par conséquent impératif de ne pas baisser la garde et de continuer à respecter les règles d'hygiène et les mesures barrières, telles que le port du masque dans tous les lieux publics ou la distanciation physique. Mais, au regard de la nocivité de ces virus, la vaccination constitue sans doute une mesure barrière supplémentaire. Dans bien des cas, un schéma complet de vaccination permet d'éviter des complications graves de cette maladie qui sont généralement fatales. C'est la raison pour laquelle je demande à tous et à chacun de se faire vacciner et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux concernant le vaccin contre le coronavirus. En effet, en combinant le respect des mesures barrières à la vaccination, nous parviendrons à briser la chaîne de contamination de ces virus et à retrouver plus rapidement une vie normale. Mes chers compatriotes, la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 ne nous a pas fait perdre de vue
le cap que nous nous sommes fixés dans le cadre de notre stratégie nationale de développement sur la période 2020-2030. En dépit de ces répercussions négatives sur le tissu économique, nous avons inlassablement poursuivi la réalisation de nos projets structurants grâce à une mobilisation soutenue des recettes non pétrolières, aux mesures internes de redressement budgétaire et à l'accompagnement de nos partenaires au développement. Les réformes mises en œuvre en matière budgétaire, notamment dans les domaines fiscal et douanier, ont accru notre capacité à lever des fonds sur le marché financier international. La crédibilité de la signature du Cameroun a, de ce fait, favorisé la réussite de l'opération de refinancement de l'Eurobond, ainsi que la conclusion d'un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. À la faveur des ressources financières mobilisées au plan interne et externe, des investissements considérables ont été effectués en vue de l'achèvement des projets structurants de première génération. Dans ce chapitre, il convient de mentionner, entre autres, l'achèvement de la première phase des autoroutes Yaoundé-Simalen, Yaoundé-Douala et Kribi-Lolabé. Leur mise en exploitation est effective dans le cadre des partenariats public-privé conclus. La construction de 914 km de routes bitumées, l'élargissement de la carte sanitaire avec l'inauguration des centres hospitaliers de référence des Bolva et de Bafoussam, ainsi que l'achèvement de celui de Garoua. L'exécution des projets visant notre autosuffisance énergétique à travers la poursuite des travaux de construction du barrage de Nactigal et le parachèvement de la ligne de transport de l'énergie électrique du barrage de Mevelle. Les diligences sont en cours dans la perspective de l'interconnexion des réseaux électriques nord et sud. L'exécution de ce projet permettra de résorber durablement le déficit énergétique dans les régions septentrionales de d'autres pays. Parallèlement, dans un environnement macroéconomique fortement perturbé par la pandémie du COVID-19, il a fallu continuer à garantir la compétitivité du secteur privé. Il n'échappe à personne que cette pandémie a entraîné un renchérissement du fret maritime, avec pour incidence immédiate une inflation du coût des produits de première nécessité. C'est donc conscient des sacrifices considérables que les opérateurs économiques nationaux ont consentis pour atténuer les effets de la pandémie que j'ai instruit le gouvernement de réduire de 80% le montant du frais maritime à intégrer dans le calcul des droits de douane. Le gouvernement devra également poursuivre les échanges avec le secteur privé à l'effet d'identifier les mesures supplémentaires susceptibles d'être mises en œuvre. Au demeurant, nous devons nous atteler à réduire nos importations et accroître le volume de nos exportations en augmentant la production locale, si nous voulons relever le défi de la croissance. En tout état de cause, il nous appartient de créer les conditions d'une croissance plus forte, durable, inclusive et génératrice d'emplois,
notamment pour notre jeunesse. Celle-ci est et demeure la principale bénéficiaire des réformes que nous mettons en œuvre dans différents domaines. Les mesures que nous avons prises nous permettent d'envisager avec optimisme une relance économique et un relèvement de notre taux de croissance à 4,2% en 2022 contre 3,6% en 2021. Cette projection optimiste s'inscrit dans la perspective d'un retour à une croissance mondiale positive annoncée par les instances internationales habilitées à le faire. Notre pays dispose de moyens pour en tirer avantage. Mes chers compatriotes, en dépit des difficultés auxquelles notre pays fait face, nous n'avons pas cessé de susciter la considération à l'échelle internationale. La confiance dont jouit le Cameroun auprès de nos partenaires est le fruit des efforts que nous déployons chaque jour pour que le Cameroun demeure le havre de paix et de stabilité qu'il a toujours été. Pour cela, nous avons amplifié nos efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Les incursions sporadiques de Boko Haram enregistrées ces derniers mois dans la région de l'extrême nord se sont heurtées à la résistance énergique de nos forces de défense. Je voudrais une fois de plus leur rendre un hommage mérité pour leur bravoure, leur engagement et leur professionnalisme. C'est le lieu de saluer également la pleine mobilisation des forces vives de la nation, des populations et des comités de vigilance qui participent de façon déterminante à la réussite de notre stratégie de défense populaire. Je me réjouis de constater que l'offre de paix que j'ai adressée a été suivie par un grand nombre de nos compatriotes qui avaient rejoint autrefois les groupes armés. Dans la région de l'extrême nord, plusieurs adeptes de Boko Haram ont déposé leurs armes et sont pris en charge dans les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il en est de même dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où plusieurs cas de reddition continuent d'être enregistrés. Cependant, l'on compte encore plusieurs de nos compatriotes dans les rangs des bandes armées. Ils continuent de se livrer à des activités criminelles en multipliant les attaques aux engins explosifs improvisés et les meurtres de civils désarmés. Le récent assassinat de 3 élèves et d'une enseignante du lycée bilingue de Kondo-Titi vient s'ajouter à leur longue liste d'exactions et d'atrocités. Je voudrais à nouveau redire la détermination inébranlable du gouvernement à restaurer la paix dans les régions en proie à des menaces sécuritaires. Qu'il soit bien entendu que les auteurs et commanditaires de tels actes seront recherchés sans relâche, où qu'ils se cachent, et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi. Dans cette lutte acharnée contre la barbarie, je voudrais exhorter le peuple camerounais à intensifier la collaboration avec nos forces de défense et de sécurité afin de neutraliser les fanatiques de la violence armée et de préserver l'intégrité de notre territoire. Dans cet exercice noble de défense civile et militaire,
Plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie sur le champ de bataille. Puissent-ils trouver dans notre détermination à poursuivre le combat le réconfort que leur sacrifice pour la République n'aura pas été vain. Ils constituent des modèles pour notre jeunesse et j'exhorte à ne pas céder aux manœuvres d'endoctrinement des groupes sécessionnistes. Dans ce combat contre le terrorisme, nous entendons rallier un large éventail d'États partenaires en déconstruisant les contre-vérités sur la situation des droits de l'homme dans notre pays, véhiculées au sein de l'opinion internationale par certains contempteurs du Cameroun. Mes chers compatriotes, en raison de notre attachement à la paix et à la tolérance, nous avons continué à faire preuve d'ouverture et de dialogue pour mettre fin à cette crise dont nos populations n'ont que trop souffert. C'est ainsi qu'après la tenue du Grand Dialogue National, nous avons poursuivi le processus d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation. Depuis cette année, les régions, en tant que collectivités territoriales décentralisées, sont mises en place et commencent à trouver leur marque. Un statut spécial a été octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en tenant compte de leurs spécificités culturelles et linguistiques. D'une manière générale, la régionalisation est en marche dans l'ensemble du pays et contribue à renforcer la participation de nos concitoyens à la gestion des affaires locales. Très clairement, ces avancées démocratiques démontrent que notre pays est engagé de manière irréversible et résolue dans le parachèvement méthodique de son projet démocratique afin de répondre davantage aux souhaits légitimes du peuple camerounais. Je suis pleinement conscient que d'aucuns aimeraient nous voir aller plus vite dans ce domaine. Mais nous devons éviter toute forme de précipitation susceptible de porter préjudice à l'unité de notre pays et à notre idéal républicain. Tout ce qui reste à faire, nous le ferons assurément, avec prudence et patience. Nous devons promouvoir en toutes circonstances un dialogue constructif et régulier entre les différentes composantes sociologiques de la République en vue de leur mobilisation pour l'émergence de notre pays. Mes chers compatriotes, nous avons assisté ces derniers temps à la multiplication de comportements antipatriotiques, à la prolifération de discours haineux, à la publication de vidéogrammes violents, obscènes et déshonorants qui ont choqué la conscience collective nationale. Dans les médias ou les réseaux sociaux, la persistance des fake news a contribué à entretenir des contre-vérités, éloignant ainsi nombre de nos concitoyens de la bonne information sur des sujets d'importance capitale. J'en appelle donc à votre responsabilité individuelle et exhorte chacun de vous à promouvoir la culture de la paix. Je demande au gouvernement d'intensifier la sensibilisation de toutes les couches sociales à un usage citoyen des réseaux sociaux. Nous devons rester un peuple patriote uni et soudé. Nous devons en tout temps chérir la paix et rechercher la concorde. Soyons déterminés à agir pour que ces valeurs favorisent le vivre ensemble auquel aspire profondément notre peuple tout entier. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes,
à l'aube de la nouvelle année qui s'annonce, des défis spécifiques nous interpellent. Notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février 2022. En prélude à cette compétition, chacun de nous a pu être témoin de la transformation profonde qu'ont connue les villes où se disputeront les rencontres de la CAN 2021. La préparation de ce tournoi aura contribué à accélérer le développement infrastructurel de plusieurs de nos cités. Des voiries urbaines ont été construites ou réhabilitées. Les plateaux techniques de formation sanitaire existantes ont été relevés. De nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe de la technologie ont été construits dans les chefs-lieux de nos régions. Des hôtels ultramodernes ont été édifiés pour l'accueil des délégations officielles, des hôtes de marque et des touristes qui visiteront le Cameroun à cette occasion. Nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme d'investissement en réduisant les disparités infrastructurelles qui existent entre les régions de notre pays dans différents domaines. Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin, tandis que d'autres progressent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer des universités d'État dans les trois régions de notre pays qui n'en sont pas encore pourvues. Il s'agit de l'Est, du Nord et du Sud. D'autres infrastructures suivront, notamment dans les secteurs aéroportuaires, industriels et routiers, afin de faire de chaque région un véritable pôle de développement. Pour y parvenir, nous devons renforcer la gouvernance dans la gestion de nos finances publiques en luttant contre la corruption et le détournement des deniers publics. Par conséquent, tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou d'enrichissement illicite en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. Mes chers compatriotes, au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j'invite les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021 la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. Nous avons voulu en faire un grand moment de fraternité. Il nous revient donc de réserver un accueil chaleureux aux 24 délégations sportives, aux officiels et à tous ceux qui séjourneront dans notre pays à l'occasion de cette compétition. Faisons découvrir à nos hôtes la richesse de la diversité culturelle qui fait de notre pays un condensé d'Afrique. Offrons-leur toute l'hospitalité qu'ils sont en droit d'attendre de nous et qui fait partie intégrante de nos traditions. Grâce aux vertus de notre peuple, notamment son courage et son abnégation, nous avons non seulement surmonté les épreuves de cette année qui s'achève, mais surtout poursuivi notre marche en avant. En tant que nation, nous avons le devoir et l'occasion de rappeler au monde que nous sommes un peuple uni et indomptable, capable de révéler cet esprit combatif qui nous a par le passé permis de remporter de grandes batailles. Je ne saurais terminer sans demander à nos chers lions indomptables de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au soir du 6 février 2022, cette fête se termine dans l'apothéose. Montrons-nous à la hauteur des enjeux et rappelons au monde
que nous sommes une grande nation. Bonne et heureuse année 2022 à tous et à chacun. Vive la République, vive le Cameroun. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, this year the coronavirus pandemic has yet again featured among the major causes for concern worldwide. The disease has not been eradicated despite significant efforts by the scientific community and governments. It is noted that the virus tends to adapt to our environment over time, as evidenced by the emergence of new variants, thus making control of the pandemic particularly challenging. Unfortunately, it continues to plunge families into mourning, disrupt social life, and create economic distortions. Should we then despair and yield to pessimism? Obviously, no. We learn from history that this is not humanity's first epidemic, and it is undoubtedly far from being the last. By the way, I am confident that we will overcome the coronavirus in the same manner as previous epidemics. For my part, I will spare no effort in ensuring that the requisite measures to stem its spread in our country are actually implemented. The response strategy implemented by the government is yielding excellent results. Over the past 2 years, it has helped to save lives and to curb the spread of COVID-19 in our country. Accordingly, it should be continued and, as appropriate, improved to better adapt to the mutations of this dangerous virus. Hence, the need to stay alert and to continue observing the rules of hygiene and preventive measures, such as wearing a mask in all public places or physical distancing. However, given the virulence of the virus, vaccination is definitely an additional preventive measure. In many cases, a full vaccination course helps to avert severe complications of the disease, which are generally fatal. That is why I urge each and everyone
to get vaccinated and not to pay heed to the conspiracy theories that abound on social media about the coronavirus vaccine. Indeed, combining preventive measures with vaccination will enable us to break the chain of contamination of this virus and return to normal life more speedily. Dear compatriots, notwithstanding the persistence of COVID-19 pandemic-related health crisis, we have remained focused on the target to set within the framework of the National Development Strategy for the 2020-2030 period. Despite its adverse impact on the economic fabric, we have relentlessly continued implementing our transformational project thanks to the sustained mobilization of non-oil revenue, the implementation of domestic budget consolidation measures, and support from our development partners. Fiscal reforms, particularly in the taxation and customs sectors, have boosted our capacity to mobilize funds from the international financial market. The credibility of Cameroon's signature thus helped to successfully refinance the Eurobond and to conclude a new economic and financial program with the International Monetary Fund. Thanks to financial resources mobilized both within and outside the country, substantial investments have been made to complete the first generation transformational projects. These include completion of the first phase of the Yaoundé, Nsimalé, Yaoundé, Douala, and Kribi, Lolabé motorways. They have been operationalized under public-private partnerships. Construction of 914 kilometers of asphalted roads, extension of the health map with the commissioning of the Ebolova and Bafoussam referral hospitals, as well as the completion of that of Garoua. Implementation of projects to achieve energy self-sufficiency through continuation of construction work on the Natigal Dam and the completion of the hydropower transmission line from the Nvele Dam. Works are ongoing to interconnect the northern and southern electrical grids. The implementation of this project will contribute to a sustainable reduction of the energy deficit in our country's northern regions. At the same time, there was a need to continue ensuring private sector competitiveness in a macroeconomic environment severely disrupted by the COVID-19 pandemic. It is common knowledge that the pandemic has led to rising sea freight costs, thus directly increasing the price of essential goods. Aware of the huge sacrifices made by the national economic operators to mitigate the impact of the pandemic, I instructed the government to reduce by 80% the sea freight transportation cost to be included in calculating custom duties. The government must also continue discussions
with the private sector to identify further measures that can be implemented. Susceptible d'être mise en œuvre. Au demeurant, by the way, if we have to meet the growth challenge, we must strive to reduce our imports and increase the volume of our exports by boosting domestic production. In any case, it behooves us to create conditions for more robust, sustainable, inclusive, and employment-generating growth, particularly for our youth, who are and will remain the primary beneficiaries of ongoing reforms in various areas. Considering the measures taken, we have reason to be optimistic about economic recovery and an uptick in our growth rate to 2.2% in 2020 from 3.6% in 2021. This positive outlook is consistent with that of a global return to growth as announced by the relative international bodies. Our country has the capacity to make the most of this situation. Mes chers compatriotes, dear compatriots, en dépit des difficultés auxquelles despite the challenges faced by our country, we continue to be respected on a global scale. La confiance dont jouit le Cameroun auprès de nos partenaires, the trust Cameroun enjoys among our partners is a result of our constant efforts to ensure that the country remains the haven of peace and stability that it has always been. To this end, we have stepped up our efforts to maintain peace and security nationwide. Les incursions sporadiques de Boko Haram's sporadic incursions into the far north region in recent months have been met with stiff resistance from our defense forces. I wish to pay them a well-deserved tribute for their courage, commitment, and professionalism. I take this opportunity to commend the full mobilization of the nation's lifeblood, the population, and vigilant communities that are contributing decisively to the success of our popular defense strategy. I am pleased to note that a large number of our compatriots who have joined armed groups have accepted my peace offer. Many Boko Haram members have laid down their arms and are being catered for in disarmament, demobilization, and the reintegration centers in the far north region. The same holds true in the northwest and southwest regions, where many members of armed groups continue to surrender. However, many of our compatriots remain within the ranks of armed groups. They continue to engage in criminal activities, increasing attacks with improvised explosive devices and murders of unarmed civilians. The recent assassination of three students and a teacher of bilingual high school Ekondo Titi added to their long list of abuses and atrocities. I would like once again to reiterate government's firm determination to restore peace in the regions that are under security threats.
It should be clearly understood that wherever the perpetrators and sponsors of such acts are hiding, they will be relentlessly tracked down and will face the full force of the law. In this fierce fight against barbarism, I urge the Cameroonian people to step up collaboration with defense and security forces in order to neutralize the fanatics of armed violence and to preserve the integrity of our territory. Many of our compatriots have fallen in battle while engaged in this lofty civil and military defense task. May our determination to keep up the fight bring solace to them, as their sacrifice for the Republic will not be in vain. They are role models for our youths, whom I urge to shun indoctrination attempts by secessionist groups. In this fight against terrorism, we plan to enlist the support of a wide range of partner states by debunking falsehoods about our country's human rights situation propagated within international circles by some of Cameroon's detractors. Dear compatriots, true to our commitment to peace and tolerance, we have continued to demonstrate openness and readiness for dialogue in order to call a halt to this crisis that has wreaked far too much suffering on our population. Thus, after holding the major national dialogue, we have continued to accelerate and deepen decentralization. Regions, as regional and local authorities, were set up this year and are beginning to find their feet. The Northwest and Southwest regions have been granted special status to reflect their cultural and language specificities. Overall, regionalization is being implemented countrywide and contributes towards increasing our fellow citizens' participation in the management of local affairs. These democratic strides very clearly demonstrate that our country is irreversibly and resolutely engaged in the methodical perfection of its democratic process in order to further meet the legitimate aspirations of the Cameroonian people. I am fully aware that some people would prefer that we move faster in this area. However, we must avoid any kind of haste that may undermine our country's unity and our Republican ideal. Surely, we will carefully and patiently do whatever needs to be done. In all circumstances, we must promote constructive and regular dialogue between the various sociological components of the Republic in order to mobilize them for our country's emergence. My dear compatriots, lately we have witnessed an upsurge in unpatriotic behavior, the proliferation of hate speech, and the posting of violent, obscene, and shameful videotapes, which have shocked the nation's collective conscience. The persistent publication of fake news in the mainstream or social media has contributed towards sustaining falsehood, thus preventing many of our fellow citizens from getting the right information on the issues. Therefore,
appeal to your sense of individual responsibility and urge each of you to promote the culture of peace. I call on the government to step up efforts to raise awareness on the responsible use of social media by all social classes. We must remain a patriotic, united, and supportive people. We must cherish peace and seek harmony at all times. Let us resolve to actively ensure that these values promote living together, to which our people as a whole deeply aspire. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, we are faced with specific challenges at the dawn of the new year. Our country will host the Africa Cup of Nations from the 9th of January to the 6th of February 2022. In the run-up to the tournament, we have all witnessed the profound transformation that has taken place in the cities that will host AFCON 2021 matches. The preparation of the tournament has helped to accelerate the infrastructural development of many of our cities. Urban roads have been constructed or rehabilitated. The technical capacity of existing health facilities has been upgraded. New hospitals with state-of-the-art equipment have been built in our regional capitals. Ultra-modern hotels have been built to accommodate official delegations, special guests and tourists who will visit Cameroon during the tournament. We will continue implementing this investment program by reducing the infrastructure disparities existing between the regions of our country in various areas. It is unacceptable that some regions should feel forsaken while others are progressing. That is why I decided to create state universities in the three regions of our country that do not yet have one, namely the East, North, and South regions. Other infrastructure will follow, particularly in the airport, industrial, and road sectors, in order to make each region a real development hub. To that end, we must enhance public finance management, governance by fighting corruption and embezzlement of public funds. Therefore, all those found guilty of financial malpractice or illicit enrichment will face the consequences before the competent authorities. My dear compatriots, as we prepare to celebrate African football, I urge Cameroonians to mobilize massively to make AFCON 21 the most beautiful football jamboree ever organized in our continent. We want it to be a great moment of brotherhood. It therefore behooves us to extend a warm welcome to the 24 sports delegation officials and all those who will be staying in our country during the tournament. Let us offer our guests the rich cultural diversity that has earned our country the nickname Africa in miniature. Let us extend to them the hospitality and
rightfully expect from us and which is part of the parcel of our traditions. Thanks to the virtues of our people, particularly their courage and selflessness, we have not only overcome the ordeals encountered during this year that is ending, but we have also continued to forgive, to forge ahead. As a nation, we have the duty and opportunity to remind the world that we are a united and indomitable people capable of displaying this fighting spirit that has enabled us in the past to win great battles. Before I conclude, I would like to call on our beloved Indomitable Lions to do their utmost to ensure that they end this festival in grand style on the evening of the 6th February 2022. Let us rise to the challenge and remind the world that we are a great nation. Happy and prosperous New Year. Long live the Republic. Long live Cameroon. Vive la République. Vive le Cameroun.